c'est le nouveau dada des paddocks de compétition. Une balnéo pour chevaux dans un bain bouillonnant à 2 degrés. Vous avez un brassage de l'eau devant sur les antérieurs, un brassage de l'eau derrière sur les postérieurs. 10 minutes, pas plus. Le procédé n'est pas nouveau, mais c'est la première fois qu'il s'invite dans les compétitions grâce à ce dispositif mobile. Une première en France. C'est une aide au bien-être animal et ça permet d'avoir des soins flash et de pouvoir traiter les chevaux directement après le concours. Un service très apprécié des cavaliers comme Mathieu Noirot. Compétiteur professionnel, il sollicite beaucoup sa jument dans les concours d'obstacles, parfois même plusieurs fois dans la journée. Ils sont comme des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ont les fatigues musculaires et puis ils peuvent avoir des blessures plus importantes. Donc voilà, et l'idée c'est d'avoir les récupérations les plus rapides et actives possibles. Allez Titine, c'est parti. Éliminer la fatigue, mais aussi soigner les blessures inflammatoires avant qu'elles ne dégénèrent. Elle n'a pas montré de signe de boiterie hein, du tout. On voit qu'il y a juste un petit peu de peinture sur le sabot. On est au niveau tendineux, ligamentaire et articulaire du bas des membres. S'il y avait eu un petit hématome, directement l'application de froid, mais comme nous, du froid, le réflexe, et hop, ça part. Coût de la séance, 50 euros, une broutille pour des chevaux qui en valent parfois plus d'un million. Pour le moment, l'entreprise basée près de Royan expérimente localement sa balnéo itinérante. Elle espère prochainement s'inviter dans tous les concours de France.